Bonjour à tous et bon début de semaine sur FM Télévision. Merci de votre confiance renouvelée à ces programmes de Morning FM qui ouvre ses portes pour vous informer. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour vous donner une matinée XL, comme vous le savez, en vous proposant beaucoup. On sera dans l'actualité, les informations sont à suivre également au cours de ces programmes. Mais on va aussi débattre sur l'actualité. Je ne suis pas seul sur ce plateau, accompagné justement pour réussir ensemble cette émission de Morning FM. Je reçois rapidement la diva Divine Siala avec moi sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Très bon début de semaine à toi. Merci, pareillement. Et comment vous allez? Je profite également de vous demander. En tout cas, je vais très très bien. Et toi? Je vais très bien, très bien. Ouais. Alors, c'est avec Divine justement qu'on va animer ensemble ces moments. Et on vous rappelle d'ailleurs le programme de tout à l'heure. On va commencer par le conseil du jour, la chanson du jour. Ce sont justement des rubriques qui vont nous animer avant de marquer une pause pour les documentaires. Et question de vous mettre sur la voie, sur l'histoire évidemment. Ce qui reste en tout cas très important pour notre vie, il faut se documenter. Voilà pourquoi on va vous proposer les documentaires dans ce programme. On marquera justement une pause, on reviendra avec l'invité. Puisqu'aujourd'hui, Divine, aujourd'hui, il faut quand même les rappeler à nos téléspectateurs sur la journée mondiale du diabète. Voilà, ça sera et en même temps notre sujet du jour. On va les débattre avec notre invité. Hein? Oui, très bien. Donc, alors, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions par rapport à un sujet qui est en rapport avec la journée mondiale du diabète. Vous avez par exemple notre page Facebook pour nous écrire et poser vos questions. Il y a aussi les numéros qui est affiché en bas de vos écrans. Celui-là va aussi vous permettre d'entrer en contact avec nous. Nous aurons un invité, un médecin, n'est-ce pas, Divine, qui va répondre à nos questions. Informer un peu plus sur cette maladie. Justement, des préventions sur les diabètes, comment l'éviter, ça doit être possible. On a toute une série de questions, mais nous attendons évidemment vos questions et notre invité sera là pour nous répondre en tout cas. Morning FM, c'est aussi les 30 minutes d'info. Vous savez, c'est une rubrique qui vous permet en tout cas d'être informé. Il y a les flash info, la revue de presse, appel à province. Aujourd'hui, nous ne serons pas en province, nous serons à Kinshasa avec notre envoyé spécial Patrick Ngouro qui sera justement à la Cour des cassations et puisqu'il y aura la poursuite du procès déjà Marc Kaboun, c'est ça? Exactement. Donc, on va retrouver Patrick dans la deuxième partie de l'émission avec l'appel pas en province, mais à Kinshasa cette fois-ci. Et puis, on va revenir pour la dernière partie, l'annonce à Lingala, ça également des. N'oubliez pas, nous allons recevoir la rédaction, nos amis de la rédaction Lingala qui vont certainement nous donner les grandes lignes de l'actualité, ce qu'ils vont préparer pour l'édition dès ce soir. Alors Divine, on va commencer avec le conseil du jour. Le conseil du jour. Allez, c'est parti. Les conseils du jour, c'est maintenant avec vous, Divine Siala. Qu'avons-nous? C'est quoi la matière? C'est quoi la leçon aujourd'hui dans la rubrique Les conseils du jour? Aujourd'hui, nous allons avoir un conseil très pertinent. Déjà, je vais lire pour vous, chers téléspectateurs. On nous dit, tenez toujours compte de ce que vous faites maintenant et faites-le très bien afin de ne plus regretter dans le futur. Car le temps écoulé déjà ne reviendra plus. Voilà. Est-ce qu'on peut, vous pouvez encore nous faire la relecture, nous lire encore ce conseil puisqu'on va aller très mollo. Le conseil du jour de ce matin, lundi, aujourd'hui, nous allons avoir un conseil du jour très pertinent. On nous dit, tenez toujours compte de ce que vous faites maintenant et faites-le très bien afin de ne plus regretter dans le futur. Car le temps écoulé ne reviendra plus. Et voilà. C'est le conseil du jour. Nous attendons justement que la réalisation nous propose les tests pour permettre justement aux gens qui nous regardent. On vous rappelle déjà, là nous abordons la rubrique les conseils du jour. Pour la petite pédagogie, les conseils du jour, comme vous le savez, c'est cette rubrique qui vous permet de puiser dans notre réserve, tirer les conseils évidemment, puisque notre vie est appelée aussi
à un certain moment à prendre des décisions, n'est-ce pas, divine? Et pour éviter à ce que les conséquences Exactement. Voilà pourquoi il faut se faire conseiller. Il faut nous... se faire conseiller et tenir compte de ce conseil. Moi, je peux le dire comme ça. C'est un peu une sorte d'un cadeau que nous donnons, évidemment, à nos téléspectateurs, d'avoir des conseils un peu tous les jours. Bon, la réalisation va certainement nous envoyer les tests pour se mettre sur la voie. Mais on peut aller quand même mollo. La première partie. La première partie, on nous dit tenez toujours compte de ce que vous faites maintenant et faites-les très bien afin de ne plus regretter. On peut s'arrêter là. On peut d'abord s'arrêter là, Divine Sia. C'est la première partie. C'est la première partie. Ok, j'ai pensé déjà que vous étiez à la seconde partie. Alors, faites bien correctement. C'est quoi? Tenez toujours compte de ce que vous faites maintenant et faites-les très bien afin de ne pas, afin de ne plus regretter. Moi, ça me rappelle un principe de la vie que mon père m'a légué. Il me disait toujours de son vivant, il faut faire chaque chose correctement. Quand il faut prier, il faut aussi prier correctement, le faire avec beaucoup de sérénité. Quand il faut étudier, à l'époque j'étais encore étudiant, il me disait ça. Conscience. Donc tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, nous devons le faire. Nous devons très bien le faire avec beaucoup de conscience. Tu sais, Lionel, quand tu fais quelque chose, tu as de la conscience à ce que tu fais. Tu vas le faire bien. Parce que ça, quand tu te laisses influencer, tu n'es plus vraiment conscient de tes actes. Donc, tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec conscience pour ne pas tomber demain. Et nous devons le faire très bien pour ne pas regretter dans le futur. Parce que ce qui est là, on m'a bêlé et que l'obi au regretté, en tout cas, tu as failli quelque part. Alors, pour les gens qui se poseront des questions, à vous, Divine, comment faire les choses correctement? Ça sera quoi la réponse? Pour faire les choses correctement, tu dois d'abord savoir faire des choses avec conscience. Tu sais, quand tu es conscient de ce que tu fais, là, quand on se lève le matin, on part à l'école ou on part à l'université, on fait des choses avec conscience, non? Parce que, nazo salango, pour ne plus que l'obi et coqui quoi apporter un plus, comme ça, là, avec conscience pour ne pas regretter. Mais quand tu fais des trucs sans conscience et tu les fais genre vaille qui vaille, il n'y aura pas vraiment de conscience. Dans ce mais à part ça, s'il faut ajouter peut-être à cette question, moi je dirais, il faut faire avec amour. Il faut d'abord aimer ce que vous faites. Il faut aimer votre travail. Ça c'est très important. C'est très capital même. Il y a quelqu'un qui me disait, Bolingo fait la loi à sous-bassement. Et la loi fondement et nuance. Voilà. Quand l'amour c'est le fondement de tout ce que nous faisons, en tout cas on va le faire bien et puis avec beaucoup de conscience. C'est comme un élève qui va à l'école. Il n'aime pas l'école, mais à qui est quatre. Voilà. Vous ne réussirez jamais. Dans la société. Vous ne réussirez jamais parce que vous n'aimez pas d'abord la chose et j'espère pas que le résultat sera à votre faveur. Que demain vous allez regretter. Donc évitez ça, faisons des choses comme Lionel l'a dit avec amour. L'amour doit être le soubassement de tout ce que nous faisons et nous devons le faire avec conscience pour ne pas regretter. Le faire correctement, en tout cas, c'est très important. C'était là la première partie de notre conseil du jour, Divine. On peut entamer la dernière partie la dernière de ce conseil. On nous dit car le temps écoulé déjà ne reviendra plus. Là, c'est très important parce que s'il faut apporter quand même la nuance à ce conseil du jour, la première partie, on voit l'auteur de la pensée, Maître Malo Abili, qui le fasse nous conseiller, nous dire, d'ailleurs, nous demander de faire correctement les choses, tout ce que nous faisons. Choses. Mais la deuxième partie, c'est un peu, ça choque parce que c'est la conséquence. Puisque là, l'auteur nous dit, les temps écoulés viendra plus. Ça, c'est la conséquence. C'est-à-dire, vous perdez votre temps au lieu d'étudier, vous ne voulez pas aller sérieusement à l'école, étudier correctement. Cet temps-là qui passe ne reviendra pas. C'est vrai qu'on peut. On peut acheter un diplôme, on peut donner l'argent pour passer des promotions. Et quand il y aura ce besoin un jour de trouver un emploi qui demande un certain niveau, pas un certain diplôme, moi je ne parlais pas des diplômes parce que les diplômes aujourd'hui on peut les fabriquer. On peut les fabriquer n'importe quoi. Les niveaux, c'est-à-dire aller défendre ce que vous avez appris, défendre les travaux pour lesquels justement on vous engage, ça nécessite un certain niveau. Et le temps-là que vous avez perdu à fuir ne reviendra pas. Ne reviendra plus jamais. Ça ne reviendra plus jamais. Déjà, quand tu viens de le dire aux autres qui ont des classes, malgré, il y en a qui ont des classes parce que mes parents sont en Koloba, mes parents sont en Koloba, qui ont des natans. Parce que papa avait déjà payé, je n'ai pas de choix, je dois partir. Tu pars malgré toi. Tu ne pars pas dans ton propre gré. Et puis toi, tu pars seulement.
Et demain, quand tu ne sauras plus vraiment défendre, quand tu auras ces diplômes-là, tu ne sauras même pas défendre parce que parce que quand tu pars à l'école, tu ne te donnes pas, tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la conscience, tu ne les fais pas correctement. Demain, quand tu voudras défendre ces diplômes-là, tu ne sauras plus. L'âge a déjà avancé. Tu sauras maintenant que le temps est déjà passé, le temps est déjà passé. Mais c'est vrai qu'on a insisté trop sur les élèves, mais c'est un conseil du jour, une matière qui ne concerne pas les élèves. C'est dans toutes les générations, c'est tout le monde, toutes les catégories de personnes. Moi, j'aimerais prendre l'exemple de quelqu'un qui a aujourd'hui prié Dieu, s'est battu pour avoir un travail, et au moment où il obtient ce travail, il ne le fait plus correctement. D'ailleurs, il devient de plus en plus irrégulier au travail, il ne vient pas, il ne le fait pas correctement, il ne respecte pas les principes du travail, etc. Ça aussi. Il ne respecte même plus la hiérarchie, alors que tu as tenu, tu t'es battu pour que tu puisses travailler dur. Pour ça, tu as prié, tu ne dormais pas, il y a deux fois où tu ne dormais pas, tu priais Dieu, Dieu t'a donné ce travail-là. Tu dois quand même être reconnaissant. Et puis quand on te donne quelque chose, tu dois savoir le garder aussi. C'est un peu comme on dit, dans la vie, on a nos temps forts, nos moments difficiles, les hauts et les bas. Vous, par exemple, vous trouvez aujourd'hui votre moment de gloire, je dirais comme ça. Vous avez un travail qui vous génère un peu d'argent, etc. Exactement. Vous prenez cette période en cherchant à faire des ambiances, vous êtes dans de futilités. Et aujourd'hui, vous retrouvez sans argent et vous n'avez même pas de quoi vivre. Ces temps-là ne reviendra pas. Ça ne reviendra plus. Raison pour laquelle même aux gens qui travaillent, vu que c'est un conseil qui touche toutes les catégories des personnes, même aux gens qui travaillent, tu as l'argent, tu dois aussi savoir garder. Avoir de projets qui vont t'apporter quelque chose demain. Parce que aux alambours molélo, de penser à molélo, tu ne te rends même pas compte de ce qui va se passer demain. Ce que c'est que l'obi, au kweito, au chuté, Lionel, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, ça m'a toujours fait penser à une chanson interprétée par l'artiste musicien Reddy Amissi qui a chanté Mandé à l'État Pessilaka. C'est de même justement pour ceux qui sont au pouvoir, ceux qui gèrent aujourd'hui, vous êtes ministre, je ne suis pas député. Vous avez une certaine responsabilité. Vous gérez d'ailleurs les entreprises publiques. Il ne faut pas profiter, vous dire, bon, on a un patron à place, on a ça l'ambiance. Il y a deux mandats, même à la présidence, nous voyons, c'est deux mandats, un seul mandat, et puis renouvelable une seule fois. Et puis ça passe, et puis quand ça passe comme ça, c'est fini. Il faut quand même savoir bénéficier, faire des trucs correctement, faites-les bien, pour ne pas regretter demain. Nous avons vu, on avait le président Mobutu Sese Seko aujourd'hui. Qui a régné à son temps, plus de 32 ans au pouvoir. Voilà. Et si son temps est parti, ce temps-là ne reviendra pas. Ça veut dire tout simplement, et quand vous avez votre moment de gloire ou vos temps forts, et prenez ce qui est essentiel, faites ce qui est essentiel. Vous êtes ministre, vous êtes. Vous avez une certaine responsabilité, il faut faire les choses correctement. Le faire avec souci et pour apporter considération, avec exactement le jour aussi pour que ces personnes qui t'entourent aussi puissent bénéficier aussi de ton travail. Alors malheureusement on n'a pas pu avoir les tests justement par la réalisation puisqu'on va s'arrêter là avec les conseils du jour. Divine, vous pouvez peut-être reprendre pour nous les conseils pour permettre justement aux gens qui nous ont pris un cours de se mettre sur la voie et de comprendre ce qui est du conseil du jour. Exactement, le conseil du jour d'aujourd'hui c'était tenez toujours compte de ce que vous faites maintenant et faites-les très bien afin de ne plus regretter dans le futur. Car le temps écoulé déjà ne reviendra plus. Merci Divine Siala, c'était là le conseil du jour. Nous disons également merci à Maître Malou Abilé Cléophas et qui justement qui nous fournit beaucoup en termes de conseils chaque jour à travers cette rubrique. Donc, on s'arrête là pour le conseil du jour. Le prochain numéro reviendra certainement demain, toujours avec Divine aussi à live, qui sera à notre compagnie. Exactement. Après le conseil du jour, nous avons quoi, Divine? Après le conseil du jour, fidèles téléspectateurs, nous pensons à la chanson du jour. La prochaine rubrique, question de vous réveiller un petit peu de votre sommeil, surtout je le dis comme ça. Début de la semaine. Début de la semaine, il y a encore un peu de fatigue. Voilà. Les résultats justement de notre week-end, voilà. Pour nous, c'est très important de vous proposer cette musique, question de vous réveiller, de vous mettre sur la foi. Allez rapidement, on prend la chanson du jour.
La chanson du jour, encore vous, Divine Ciala. La chanson du jour d'aujourd'hui, nous allons danser ou se déstresser du week-end avec la chanson de Fally Ipupa et Lokwa Kanza. Alors, featuring. Bon, peut-être je vais. Je vais te montrer comment on danse. À l'époque, là, on dansait. Donc, mais quand je pense à Fally Ipupa et Lokwa Kanza, c'est des styles différents. Exactement. Je sais pas comment on va. Oui, absolument. Je sais pas comment on va danser ça, mais on va essayer quand même avec vous. Hein. J'espère que les deux sont artistes congolais. Oui. Donc, il y aura un petit peu du congolais dans cette chanson. Hein. Exactement. Allez, Lokwa Kanza et Fally Ipupa pour votre plaisir. Regardez. Voilà, c'était là la chanson du jour, échange culturel entre Fally Ipupa et Lokwa Kanza. Très belle chanson, mais on a du mal à danser. Hein? En tout cas, ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Comme nous quoi devons, nous devons toujours dire à nos amis, aux gens avec qui nous vivons tout le jour, que nous les aimons avant qu'il ne soit trop tard. C'est très important. Il ne faut pas attendre que nous ayons le million pour le faire. Que la personne soit dans le cercueil ou voilà, la personne monte après la mort. C'est un peu ce que nous disons très souvent, cette fameuse phrase, aimons-nous vivants. Nous devons nous aimer, dire à la personne avec qui tu vis, dans la famille, dans la communauté, à l'école, peu importe où nous nous trouvons, en tout cas, nous devons leur montrer notre amour. Et moi, je profite pour vous dire, je t'aime, Divine. Merci beaucoup, je t'aime aussi. J'aime Enoch, j'aime toutes ces personnes qui sont derrière la caméra, les personnes. Justement, toute l'équipe d'ailleurs qui nous accompagne. Toute l'équipe de la FM Télévision. Oui, à la, on vous aime. Et la réalisation, la prise de vie, merci d'être là pour nous. En tout cas, vous êtes ici. Grand merci. Alors, la prochaine étape, Divine Ciala. De toute façon, nous allons, comme à l'accoutumée, avoir notre documentaire sur la diabète, vu que ce sera aussi notre sujet du jour. Et aussi, c'est la journée internet, la journée mondiale du diabète. Voilà. Du diabète. Nous allons vous proposer aussi ces documentaires qui parlera de la diabète. Nous allons un peu nous informer sur ces sujets-là. Justement. Et puis, en parlant d'ailleurs du diabète aujourd'hui, puisque c'est la journée mondiale, on va recevoir un médecin qui sera l'invité du Morning FM qui va répondre à nos questions. Mais en même temps, on rappelle, Divine, avant de laisser nos téléspectateurs suivre le documentaire, c'est la journée mondiale du diabète et qui est devenue une journée officielle des Nations Unies en 2006 avec l'adoption de la résolution 61-225. Et elle est célébrée chaque année le 14 novembre. Comme aujourd'hui, nous sommes 14 novembre. C'est la date d'anniversaire de Frédéric Betty qui avait découvert l'insuline avec Charles Best. C'était en 1922. Donc, c'est la date de naissance de ces auteurs, ces grands chercheurs justement qui ont découvert, comme je le disais tantôt. Et pour ce qui est de cette année 2022, le thème est sur l'accès aux soins du diabète. Donc, permettre aux gens d'avoir suffisamment d'accès aux soins. Et pourquoi? Parce que ça souligne l'importance des efforts déployés en matière de prévention et des ripostes. Exactement. Voilà tout ce qu'on peut vous dire en attendant et que nous ayons des précisions avec notre invité, justement, et qui sera de la partie juste après les documentaires. Donc, on va vous laisser suivre ces documentaires. Divine, vous rappelez-nous les titres, c'est sûr. Le diabète. Voilà. Le documentaire parlera du diabète, en tout cas. Il faut vraiment bien s'asseoir pour justement, suivre, parce que c'est une maladie qui prend de plus en plus de l'ampleur. Peut-être ça ne vous concerne pas directement, puisque vous ne souffrez pas de diabète, mais vous avez quelqu'un d'autre qui souffre de ça. Exact. C'est important de suivre ce documentaire qui nous parle de prévention, comment suivre les traitements. Ça peut toujours nous être utile, on ne sait jamais. Allez, les documentaires sur le diabète, Divine et moi, on vous retrouve à la deuxième partie de l'émission, bien évidemment avec notre invité, on vous laisse suivre. Voilà, de retour sur ce plateau de Morning FM. On attame justement la deuxième partie de l'émission. On va vous parler en tout cas de la journée mondiale du diabète qui est célébrée partout dans le monde le 14 novembre. Voilà, comme ça l'est le cas. Et sur le thème, d'ailleurs, comme je l'ai dit au début de l'émission, accès aux soins du diabète, c'est le thème retenu jusqu'en 2023 pour ce qui est de la journée mondiale du diabète. Toujours accompagné de Divine Ciala, avez-vous des précisions sur la journée? Vous voulez quand même nous renseigner, surtout pour nos téléspectateurs. Exactement. La journée d'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète.
Et le thème retenu, d'ailleurs, c'était le thème de l'année passée, 2023. C'est jusqu'en 2023, je l'ai dit tantôt, voilà. Ouais. C'est pour sensibiliser les efforts de toutes ces personnes qui travaillent dans ce domaine-là, raison pour laquelle on a maintenu ce thème-là jusqu'à l'année prochaine, l'importance des efforts déployés en matière de la prévention et de riposte de cette maladie. On le célèbre pour sensibiliser déjà le grand public à la charge croissante de cette maladie et aux stratégies que l'on doit prendre, mettre en œuvre pour éviter le diabète. Voilà. S'il faut vous compléter pour le bénéfice justement de l'histoire, la journée mondiale du diabète est devenue une journée officielle des Nations Unies en 2006 avec l'adoption de la résolution 61-225. Elle est célébrée, comme vous le disiez tout à l'heure, le 14 novembre. Alors, on vous avait annoncé au début de cette émission. On vous apporte des précisions, on répond à vos questions. D'ailleurs, vous êtes nombreux à nous écrire sur notre page Facebook. Alors, pour vous répondre, on reçoit le docteur Bob avec nous, un habitué d'ailleurs de cette émission, très souvent avec Fifi Kalungwe. Aujourd'hui, nous, on les reçoit. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, ça va malgré les embouteillages, les aléas du lundi, mais Dieu fait grâce en nous. Oui, ça prouve qu'on est à Kinshasa quand on parle des embouteillages. Alors avec vous, docteur, nous allons parler de la journée mondiale. Je rappelle d'abord, vous êtes gynécologue, mais aussi on vous reçoit aujourd'hui dans le cadre des spécialistes pour nous parler du diabète. Alors première question, docteur, pourquoi la journée mondiale du diabète? Vraiment, si les Nations Unies ont pu de célébrer un seul jour pour le diabète, c'est pour dire que ça devient un fléau. Il y a une connotation à la maladie au développement, en fait. Donc, c'est une maladie des pays en voie de développement, des pays développés. Parce que dans nos sociétés ancestrales, il n'y avait vraiment pas cette maladie-là par rapport à nos us et coutumes. Avec les habitudes alimentaires, avec tout ce qu'il y a comme développement et tout, c'est cette maladie-là qui est devenue assez endémique, en fait. C'est pourquoi les Nations Unies avaient décidé, pour ne pas l'ignorer, pour ne pas passer à côté de cette endémie qui est le diabète, de célébrer un jour le 14 pour célébrer le jour de la diabète. Justement, le diabète est devenu tellement préoccupant que les Nations Unies, justement, ont décidé de donner à la journée, justement, toute une journée. Merci, docteur, pour la question. Tout à l'heure, Divine, si elle a nous parlé de la sensibilisation. Alors, comment sensibiliser sur le diabète? Vraiment, c'est vraiment la maladie. La sensibilisation doit être de nous tous et toute la communauté, en fait. Et les médecins, et les personnels soignants, et vous, les patients, et la population. Parce que c'est un fléau que beaucoup ignorent. Même nos mamans ignorent et tout. Moi, je dirais mon cas. On m'appelait Ouitrafa, donc j'étais très gros. Pour notre maman, c'était un plaisir de me voir très gros comme ça. Or, c'est déjà par rapport aux facteurs prédisposants de la diabète, c'est l'obésité, en fait. Vous voyez? Mais par manque de connaissances, la plupart des familles, quand un enfant est très gros, il le célèbre assez facilement. Ils disent, moi, dans la santé a bien, l'alcool a bien. Or, c'est très dangereux pour l'enfant, c'est très dangereux pour l'avenir, c'est très dangereux même pour la société, en fait. Parce que le diabète en soi, c'est un coût aussi pour la société. Quand quelqu'un est malade de diabète, il dépense énormément. Déjà, vous savez, avec la conjoncture actuelle du pays, on ne gagne pas assez. Vous devez dépenser chaque jour, chaque année. C'est un traitement à vie, en fait. Un traitement à vie, un suivi à vie. Pas seulement un traitement, mais suivi, en fait. Vous devez aller à un check-up, vous devez aller à des contrôles, vous devez acheter des traitements, vous voyez un peu. Donc, on ira vraiment très doucement, puisqu'il y a beaucoup de questions sur les traitements. Voilà. On va aborder le point traitement. Mais puisque vous parlez de l'ignorance de la population, beaucoup de gens ignorent. Et depuis 2006, comme je le disais au titre, les Nations Unies ont décrété cette journée consacrée au diabète. Est-ce qu'on peut dire jusqu'à aujourd'hui cette journée a servi justement à la sensibilisation ou à ramener les gens à la conscience que le diabète existe et devons nous faire attention? Bon, moi je dirais on n'est pas beaucoup aidé par rapport à cette sensibilisation-là. On n'est pas beaucoup aidé parce que il suffit de voir le chiffre. En 90, il y avait une prévalence sur la diabète de 102 millions. En 2014, cette prévalence a quadruplé. On est à 432 et quelques. Vous voyez un peu. Donc, on n'est pas beaucoup aidé par rapport à cette sensibilisation-là, ni par certains pays ou certains gouvernements.
pour vraiment sensibiliser, marteler sur ce qu'est la diabète, sur ce qu'est les conséquences, sur ce qu'est comment pour se protéger. On n'est pas vraiment aidé. Je pourrais dire qu'on n'a pas assez progressé dans cette sensibilisation. En parlant de la sensibilisation, qui doit sensibiliser? C'est aussi notre question. Et puisque là, vous le regrettez, on vous entendrait parler, on a l'impression que la journée n'a pas servi. Quel est ce travail qui n'a pas été bien fait, n'a pas été fait correctement sur la sensibilisation? Qui doit sensibiliser? Normalement, la sensibilisation, c'est celui qui a l'information. Qui a l'information, c'est le corps médical. Le corps médical qui a l'information. Le corps médical a l'information, il doit peut-être passer dans votre chaîne comme ça, une chaîne assez suivie. Maintenant, pour passer dans cette chaîne assez suivie, c'est le moyen. Mais qui doit mettre le moyen? Ce n'est pas le corps médical qui doit disponibiliser le moyen. Il y a les partenaires, il y a le gouvernement qui doit disponibiliser ce moyen-là. Mais malheureusement, de ce côté-là, pour que les partenaires ou le gouvernement puissent disponibiliser le moyen, ça fait un couac. Des fois, c'est dans les pays, dans d'autres pays, je ne dis pas le nôtre, peut-être ça peut être aussi le cas, les partenaires aussi fournissent ces moyens, mais ça n'arrive pas à bon port. Ça n'arrive pas à bon port pour que peut-être votre chaîne télé puisse prendre quelques sous et puis mettre un espace de sensibilisation pour ça. Vous voyez un peu, donc c'est dans ce cadre-là qu'on n'est pas vraiment aidé, qu'on n'avance pas en fait dans ce cadre-là. En parlant de qui doit sensibiliser, moi ça me fait penser par exemple à la pandémie de Covid-19, même si on a l'impression que ça aurait fait surface, on a vu le gouvernement mettre des moyens pour la sensibilisation à travers même des chansons, mais est-ce qu'on ne va pas dire que cette maladie de diabète ne serait pas oubliée en quelque sorte, et là on attend que les 14 novembre pour sensibiliser, pour en parler? Je ne dirais pas peut-être pas simplement oublié, mais négligé en fait. C'est négligé par le gouvernement. Oui, c'est négligé parce que si vous entrez dans la plupart des personnels du gouvernement, la plupart des gens souffrent du diabète. Là, il faudrait qu'on se le dise. Mais c'est négligé. C'est négligé. Est-ce que c'est pas négligé parce que bon, les risques ne sont pas si graves, voilà, en parlant de la pandémie de Covid-19 et autres maladies? Non, les risques sont graves. Il y a les conséquences sont graves. Les conséquences sont vraiment graves. Il y a l'espérance de vie qui est sensiblement diminuée. Il y a les conséquences de la diabète, les complications de la diabète, notamment l'insuffisance rénale, la cécité, tout ça. Les risques sont là. Les risques sont là, mais c'est plus négligé. Parce qu'ils s'estiment que c'est une maladie de gens riches, des gens qui ont le moyen. Vous voyez un peu. La pauvre population, si on souffre, mais on ne sait pas estimer le coût. Pourquoi? Parce que cette pauvre population, quand elle souffre de cette maladie-là, elle préfère aller chez les tradis. Elle ne sait même pas que c'est la glycémie qui peut causer la cécité. Elle ne sait même pas que c'est cette glycémie qui peut causer l'insuffisance rénale. Elle ne sait même pas cette cécité qui peut causer des plaies, allant même jusqu'à l'amputation. La pauvre population, quand elle souffre de ça, elle dit, potable, tout ça, elle se dit, non, c'est la sorcellerie. Or, c'est la diabète qui peut causer beaucoup de ces choses-là. Alors, si vous nous rejoignez, on vous rappelle, on parle de la journée mondiale du diabète avec comme thème, accès aux soins du diabète. Les thèmes se jusqu'en 2023. Pourquoi un thème qui prend beaucoup d'années? Et pourquoi justement, 2 ans exactement, pourquoi insister sur l'accès aux soins du diabète, docteur? Oui, tantôt je l'ai dit ici, le coût. Le coût pour le traitement. Il faudrait chaque fois prendre l'insuline. L'insuline, là, c'est coûteux. Par petite bouteille comme ça, ça coûte dans les environs 20$, 25, 30, 50$. Et cette petite bouteille, vous pouvez prendre ça par mois, peut-être 3 à 4. Et c'est pas seulement la seule bouteille, il y a 3 formes, retard, rapide, tout ça, vous devez mélanger par rapport à votre disposition, par rapport à votre état glycémique ce jour-là. Si vous avez fait des hyperglycémies assez hautes, vous devez prendre peut-être le rapide. Si vous faites après avoir mangé entre les repas, vous devez prendre le retard, tout ça, vous pouvez dépenser par mois au moins 2000, 3000 dollars comme ça par mois. C'est vraiment, c'est pourquoi on a ce thème-là, accès, faciliter l'accès aux soins, que les Nations Unies sont en train de marteler, parce que le coût, donc, chez les différentes populations, ils ne peuvent pas. On reviendra justement sur les thèmes de la journée mondiale en dernière partie de l'émission. Docteur, je vous présente Divine Siala et qui va relayer les questions de nos téléspectateurs du Vune. Siala, vous avez quelques questions de nos téléspectateurs. Merci beaucoup, docteur. Bienvenue à la Transmatinale Morning FM. Nous allons commencer. Docteur, nous soyez habité à cause de la diabète. Comment détecter que tu es souffrant? Voilà, il y a déjà des signes que nous disons des signes assez patents.
Il y a le syndrome polyuropolydipsique. Cela signifie quoi? Le patient urine trop souvent. Vous voyez, en une heure du temps, le patient peut uriner trois fois. Trois fois, que pour un homme normal, pour une vessie qui soit remplie, peut-être c'est après 4 heures du temps. Mais pour lui, en moins d'une heure, la vessie est remplie 2, 3, 4 fois. Mais est-ce que ce n'est pas un rapport ou ce n'est pas les rythmes de la consommation quand on consomme un peu quand plus? Je prends l'exemple de quelqu'un qui est en train de prendre la bière, par exemple, ça peut expliquer, ça peut se comprendre. Hein. Oui, nous tous nous prenons la bière. Hein. Mais quand on prend la bière, la vessie ne se remplit pas en moins d'une heure. Non. Vous n'allez jamais voir quelqu'un en train de prendre la bière s'élever en moins d'une heure, deux ou trois fois. Non, même quel que soit l'alcool. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Ça peut aussi être lié aussi au phénomène, l'autre signe aussi qui peut vous tiquer que vous faites déjà l'hyperglycémie ou la diabète, c'est le fait d'avoir soif trop souvent vous avez soif. Vous avec buvez... ces soleils accablants, ce ne sont pas vraiment les soleils. Oui, vous pouvez dire soleil accablant, mais vous voyez, avec eux c'est chaque heure, même le soir quand il n'y a plus de soleil, même quand il fait froid pendant la saison sèche, ils vont prendre beaucoup d'eau. Mais dans ta cas, vous dites avoir soif, vous parlez de quelle soif? Soif de pour prendre de l'eau, non? Ah, prendre okay. Chaque fois de polydipsie. Voilà. Moi, j'ai pensé à autre chose. Oh. Alors, ben, il faudrait aussi ajouter, ce sont des gens qui se fatiguent au moindre effort. Donc, c'est pour dire, il peut exercer même la marche ici pendant 30 minutes, vous voyez, il est déjà fatigué. Okay. Vous voyez un peu? Déjà par rapport à ça. Et aussi, il y a d'autres signes assez particuliers pour chacun, dans chaque type de diabète. Alors, mais justement, à la même question sur les symptômes, moi, je voulais juste ajouter, docteur, est-ce que ces symptômes sont-ils faciles à reconnaître? Bon, si vous avez... Ou ça dépend d'une personne à une autre? Si d'abord, il faudrait avoir l'information pour reconnaître ce symptôme-là. Il faudra avoir l'information. Si vous n'avez pas l'information... Vous pouvez dire, bon, il est dans la maille, il y a encore un mot, comme l'a dit la journaliste, il y a encore un mot, il nous souffre, il y a encore un mot. La vitesse de la bière. Il y a encore un mot, il y a encore un mot, il peut être dans la maille, il y a encore un mot, il y a encore un mot, il y a encore un mot. Voilà. Nous souffrons d'abord, il y a encore un mot, il y a infection, il y a une bière rebellée, tout ça, vous voyez un peu. Mais quand vous avez l'information, vous savez qu'avec cette fréquence, il y a encore un mot, ce n'est pas la fréquence normale. Vous savez, avec cette fréquence normale, mais la maille, c'est pas la fréquence normale. Vous savez que fatigue, on a un moindre effort, c'est pas la fatigue normale. Je ne suis pas comme ça. Quand vous avez cette information-là, vous pouvez aller facilement. C'est pas dire d'emblée, si vous avez tous ces symptômes-là, c'est exactement la diabète. Non. Cela vous permet de vous orienter. Ah, comment je me sens ici, c'est pas normal. Je ne vais pas voir un médecin, je ne vais pas voir un cabinet médical. On va me consulter et puis on va essayer de diagnostiquer si c'est quoi en fait. Divine. Ok. Donc, nous avons compris qu'il n'y a pas vraiment de symptômes précis. Voilà. Ok. Alors, docteur, quelles sont les causes vraiment, les vraies causes de la diabète? Bon, la diabète, déjà, il faudrait savoir, la grande cause, c'est d'abord l'hérédité. Si dans la famille, okay. Vous avez déjà des gens qui ont pu faire la diabète, d'emblée, vous devez vous attendre aussi dans les descendances que des gens fassent la diabète. Là, c'est une cause héréditaire. Il y a des diabètes acquises pourquoi? Notre habitude alimentaire. Vous voyez des gens qui sont sédentaires, ils ne font rien, tout ça, mais qui se gavent de la nourriture trop sucrée. Vous voyez un peu, c'est un peu ça, c'est aussi acquise. Il y a aussi d'autres causes, je pourrais dire, médicamenteuses en fait. Il y a certains médicaments qui sont inducteurs de l'hyperglycémie. Quand vous en prenez trop, à la longue, vous faisiez la diabète. Mmh. Il y a aussi d'autres causes, je pourrais dire comme la maternité. Certaines maternités créent du diabète gestationnel. Vous voyez un peu. C'est comme ça pour essayer un peu de. Docteur, puisqu'on parle des causes, je voulais moi-même parler de ma situation. Moi, je mange très souvent les haricots avec du sucre. C'est comme ça chez moi. Même quand il s'agit du riz avec du foufou, j'ai toujours. Mis un peu de sucre. Donc, tu confesses. Est-ce que ça. Pardon? Tu confesses. Non, mais je vais avoir des précisions puisqu'on a les docteurs en face. Okay. Voilà. Est-ce que ça ne serait pas aussi un danger, justement? Comme je l'ai dit tantôt, plutôt, ça dépend de l'habitude. Vous pouvez manger du sucre, mais quelle quantité en fait? Okay. C'est pas mal de manger du sucre, mais il y a une quantité. Il y a aussi après avoir mangé du sucre. Vous mangez du sucre peut-être en quantité normale, mais vous ne dépensez pas trop.
être le sport, peut-être une activité physique, peut-être une activité intellectuelle. Vous ne dépensez pas trop. Vous pouvez manger en quantité suffisante, recommandée, mais vous ne dépensez pas trop. Mmh. C'est pourquoi il faudrait, chaque fois que vous mangez une quantité suffisante, dépenser aussi, c'est éviter la sédentarité en fait. Mmh. Alors, est-ce qu'on peut prévenir le diabète? Oui, juste en éliminant tous ces facteurs prédisposants, ces causes en fait, notamment faire l'activité physique. Faire une activité régulière, au moins 30 minutes chaque jour. Manger équilibré, pas trop de sucre, pas trop salé. Éviter le tabac. Et puis faire un check-up parce qu'il y a certaines maladies auto-immunes qui induisent le diabète. Et plus vous prévenez avant, plus vous êtes épargné. Alors Divine, on va évoluer avec les questions des téléspectateurs. En tout cas, pour vos questions, l'adresse est Divine. Le numéro est affiché en bas de vos écrans. Ou carrément, vous pouvez aller voyager sur notre page Facebook, nous déposer vos questions. Divine, ça nous occupera. Divine, encore d'autres questions des téléspectateurs. On parle, je rappelle, de la journée mondiale du diabète. Pour des gens qui souffrent de la diabète, est-ce qu'il y a un régime précis pour cette maladie? Oui, il y a un régime précis, très précis, en termes de nombre de calories, en termes de nombre de grammage, en fait, de ceux qui doivent manger, voilà. Et puis même en termes de contrôle, parce qu'ils peuvent manger, mais on doit avoir l'examen qu'on appelle hyperglycémie provoquée. On vous fait manger du sucre, une quantité, peut-être 75 grammes, et on essaie de voir le résultat après avoir mangé. Voilà un peu. Donc il y a vraiment un régime assez précis quand ils viennent chez nous. Et dépendant de chaque personne, dépendant de chaque type de diabète, vous venez, on va faire ce test-là et puis on vous dira quoi manger, comment se comporter en fait. Et puis quels aliments éviter. Parce que même, il y a certains aliments qui sont riches en sucre, que les diabétiques doivent éviter ou bannir en fait. Certains même, on les met dans un régime hypocalorique. Hypocalorique, carrément on le dit. Vous, avec vos pics glycémiques, vous êtes hypocalorique jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin du jour. Donc vous êtes un petit peu condamné à ces traitements. Puisque j'avais promis qu'on va parler du traitement, parlons-en rapidement, docteur. Comment traite-t-on le diabète? Le diabète, ça dépend du type de diabète. Parce qu'on a deux types de diabète. Diabète type 1 et puis diabète type 2. Voilà. Diabète type 1, c'est insulinodépendant. Diabète type 2, ou qu'on appelle anciennement insulinorésistant. Donc, ça dépend du traitement. Le traitement de base de la diabète, c'est l'insuline. C'est l'insuline. Parce que dans le diabète type 2, on a soit une insulinopénie, soit la résistance dans l'insuline est produite, mais ça n'apparaît pas à entrer dans les cellules. Dans le diabète type 1, nous avons carrément là-bas, il n'y a pas d'insuline. C'est ça la différence entre les deux diabètes. Voilà. L'autre est produit, mais soit en quantité insuffisante, ou soit c'est le produit en quantité normale, mais pas suffisante pour la personne. Dans l'autre type, il n'y a pas d'insuline. Donc c'est comme ça, ça dépend du type de diabète. À base, c'est l'insuline. Et puis aussi des antidiabétiques oraux que l'on va donner aux patients, dépendant de leur état et puis dépendant de leur Et surtout qu'on va parler du diabète type 2, parce que celui-là est très préoccupant, hein, docteur. Oui, ça, on va en parler justement, mais je voulais quand même relayer une question d'une amie d'ailleurs qui m'a beaucoup aidé à préparer cette mission. D'ailleurs, pour être franc, elle cherchait à savoir, est-ce que le diabète s'est guéri, docteur? Diabète, actuellement avec les recherches, on est en train de penser pouvoir guérir le diabète. Mais actuellement, c'est vraiment possible. C'est un traitement ad vitam, comme on le dit. Donc, c'est pour la vie. C'est pour la vie parce que quand ces cellules de zylio-déhongrin sont détruites, on ne sait pas vraiment les restituer. Mais avec les recherches actuelles, avec les cellules souches, bon, on peut avoir une lueur d'espoir parce que la science ne finit pas. Bon, on tente, mais actuellement, il n'y a pas de guérison. Alors, tout à l'heure, avant de vous recevoir, ce n'est même pas pour vous contredire, docteur. On avait proposé un documentaire justement sur les diabètes où, à la fin, le commentateur a dit. Se guérir de diabète, c'est une épreuve, mais ça reste possible. C'est pourquoi je dis avec la science, avec les cellules souches et tout, c'est vraiment ça. Et puis ça dépend aussi du niveau de l'étape. Parce que déjà quand le diabète, quand il y a des hyperglycémies, déjà pour un patient, cela signifie qu'il y a déjà 10 ans que ce diabète était déjà installé.
qu'on a déjà, qu'on vient découvrir le diabète en fait. C'était 10 ans déjà passé que ce diabète est installé. On disait un diabète déjà dépassé en fait. Les mécanismes de compensation sont dépassés et tout, le diabète s'installe. Mais quand on détecte ça bien avant, avant que cela soit installé comme ça, là on pourrait relancer le patient, on pourrait guérir en fait, ou récupérer le patient en fait. C'est comme ça. Une dernière question des téléspectateurs, avant de prendre une pause permettant justement au docteur de souffler un petit peu. Une dernière question, Divine. Docteur, vous nous avez parlé de tous les deux types de diabète. Voilà. Alors, vu que c'est le deuxième type de diabète qui est en train de prendre un peu plus de l'ampleur aujourd'hui, comment prévenir ce deuxième type de diabète? C'est ce que j'ai dit tantôt plutôt ici. D'abord, il faudrait savoir de quelle famille nous sommes issus. Devait savoir dans notre famille, il y a déjà les antécédents, devait déjà savoir. Quand il y a des antécédents, vous avez plus de pourcentage de faire ce diabète de type 2. Et puis là, à savoir, le diabète de type 2, c'est pratiquement 92% de tous les diabétiques. Le diabète de type 1, c'est à 6%. Les deux autres sont les diabètes médicamenteux et tout. D'abord, savoir la lignée d'où on vient. Deuxièmement, c'est l'habitude alimentaire. Vraiment, quand vous savez. Oui. Quand vous savez déjà que dans la famille, il y avait déjà des antécédents de diabète, vous devez vous protéger vous-même déjà. Protéger l'enfant, vous protéger la femme enceinte, déjà deuxièmement. Et puis troisièmement, une activité physique régulière. Okay. Une activité physique, au moins 30 minutes chaque jour, faire une activité physique. Quatrièmement, éviter le tabac. Parce que le tabac, parmi les cofacteurs qui induisent la diabète, il y a aussi le tabac. Donc éviter le tabac. Il y a un téléspectateur qui veut savoir, docteur, quand on souffre du diabète, est-ce qu'il y a des répercussions sur la vie sexuelle? Oui, je l'ai dit tantôt, c'est le diabète tout touche de la tête aux pieds. Le diabète touche les nerfs, le diabète touche les artères, le diabète touche la tête aux pieds. Le diabète crée même impuissance sexuelle. En parlant de l'activité sexuelle, c'est-à-dire quand vous souffrez du diabète, il faut carrément arrêter de ne plus être en relation sexuelle, ou vous voulez dire qu'il faut peut-être réduire le nombre de fois? Non, il ne faudrait pas réduire. D'ailleurs, déjà l'activité sexuelle en soi, c'est un sport, hein? C'est un sport en soi. Ah, donc okay. De ce côté-là, il n'y a pas de problème, on peut être diabétique, mais... Mais le problème est que c'est ce facteur psychologique-là, vous voyez, vous ne pouvez pas satisfaire votre partenaire à 100% ou même à 50%, parce qu'avec le diabétique, il souffre d'insuffisance, de l'impuissance sexuelle. Vous voyez, c'est ce problème psychologique-là. Quand il vient chez la femme, son partenaire à elle, elle ne sait pas le satisfaire, mais quand même, il doit le faire parce que c'est une activité physique. Il doit le faire. Le problème est qu'il faudrait maintenant amener la femme à faire comprendre à la femme que ce que fait votre partenaire ne fait pas expressément. Ce n'est pas de sa faute. C'est à cause de cette maladie qu'il a qu'il est impuissant. Mais ne pas vouloir le faire encore, ça entre encore dans une autre étape qui je pourrais dire, vous faites un cercle vicieux en fait. Parce qu'il a besoin de cette activité physique-là pour essayer un peu de dissiper l'excès du sucre. Mais quand la femme refuse, dit parce qu'elle s'est payée, ça n'a pas été dans le vous voyez un peu. Vous le faire retourner encore dans les mauvaises habitudes, dans la sédentarité. Vous voyez un peu. C'est pourquoi, même s'il souffre de cette impuissance sexuelle, il doit continuer à faire cette activité. Il doit continuer. Cette activité sexuelle va l'aider. Voilà. Va l'aider à dissiper l'excès du sucre. Voilà, continuer à rechercher et poursuivre cette recherche à satisfaire l'autre. Ça reste très important. On va marquer une pause pour permettre, évidemment, au docteur Bob, qui est notre invité, de se ressourcer un petit peu, avant de prendre justement les 30 minutes des infos. On va vous proposer une petite musique, justement. Eh bien, qui nous sensibilise autour du diabète. On va se retrouver juste après. Les diabètes agis en silence, ce sont tes regards, ça me regarde, ça nous regarde tous. Très belle musique pour sensibiliser. Je fais quelque chose, docteur. Le diabète de type 1 touche principalement les enfants, mais pourquoi? Oui, en fait, il faudrait qu'on se le dise. Le diabète de type 1, c'est le diabète, comme je l'ai dit, délétère. Il y a la destruction des cellules des îlots de Langerhans. Donc, c'est plus les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants sont sujets aux maladies auto-immunes. Beaucoup de souffrent, trop de souffrent. Il y a la formation de leurs anticorps et tout n'est pas encore assez adapté.
voyez un peu, avec les maladies auto-immunes, le corps attaque ses propres anticorps, attaque ses propres tissus. Vous voyez, or le diabète de type 1, vous avez la destruction des cellules, des îlots de Langerhans, c'est qui détruisent. Quand ces cellules sont détruites, le diabète de type 1, il n'y a plus la production d'insuline. L'insuline qui sert à réguler le taux de la glucose ou de la glycémie, en fait. Quand l'insuline n'est plus là, la glycémie va commencer à augmenter, C'est pourquoi le diabète touche plus les enfants. Mais actuellement aussi, même le diabète de type 2, on a actuellement avec les récentes études, commence aussi à toucher les enfants. Avant, ce n'était pas le cas, mais maintenant, actuellement, même les enfants sont touchés par le diabète et de type 1 et de type 2. Voilà, Divine, encore quelques questions pour, de la part de nos téléspectateurs. Alors, il y a une question. Avant que nous puissions marquer cette petite pause, vous nous avez parlé de rapports sexuels. Donc, ce n'est pas déconseillé. Au contraire, c'est conseillé, vu que c'est une activité physique. À part le rapport sexuel, quelle autre activité pouvez-vous conseiller aux diabétiques? Il y a le bodybuilding, le soulever des charges, tout sport, surtout la marche. Surtout la marche. La marche. Donc, essayer de marcher au moins 30 à 1 heure par jour. La marche, c'est une activité physique en soi. Essayer de marcher au moins 1 heure par jour, c'est aussi la marche. Donc, tout sport, surtout la marche, vous incluez à l'intérieur, ça peut aider aussi. D'accord. Est-ce qu'une femme enceinte qui souffre du diabète peut contaminer l'enfant, le nouveau-né? Bon, on n'appelle pas ça de la contamination, mais okay. La transmission en fait héréditaire. Vous voyez, une femme qui souffre de la diabète, son enfant aussi a le risque de faire de la diabète. Des fois, il donne naissance aux enfants qu'on appelle des géants au pied d'argile. Vous verrez un gros bébé, la maman qui sort de la maternité, n'a boti moi, n'a mené, n'a moi, n'a 4 kilos, 6, 5, zamba, kumbam. Mais ces enfants-là sont sujets à faire de la diabète juvénile des fois. Vous voyez, ces enfants-là sont sujets à faire beaucoup de malades. On appelle souvent ces enfants-là les géants au pied d'argile. Donc, ces enfants-là, azan, n'a mené, oui, aux yeux de tout le monde, c'est beau. Mais ils seraient sujets à beaucoup de malades. Donc, c'est une transmission. Donc, plus la mère fait le diabète, plus elle a beaucoup de chances de transmettre de cette diabète-là de façon héréditaire ou à son bébé ou à son fœtus. Quels sont les moyens de dépistage pour savoir réellement qu'on souffre du diabète? Voilà, vous allez venir à l'hôpital, il y a des examens qu'on fait, il y a le check-up, il y a le glucomètre qui est là d'ailleurs, c'est de l'appareil de base. On va faire un check-up, à jeun, on va faire un check-up après avoir mangé, et on va faire un check-up pendant la journée, à n'importe quel moment de la journée. Il y a des taux précis, notamment si on vous prend avec des taux supérieurs à 1,26 grammes par décilitre, si on vous prend avec un taux supérieur à 2 grammes par décilitre tout au moment de la journée, et c'est là on fait ce check-up, c'est pas en un seul jour. Ce check-up-là peut se faire pendant une semaine ou pendant un mois pour vous déclarer réellement que vous êtes diabétique. Et ce check-up-là, ce n'est pas seulement par rapport aux chiffres qu'on a actuellement, même par rapport aux signes antérieurs que vous avez. Vous pouvez avoir ce signe-là, mais avec les autres symptômes associés, notamment la polydipsie, la polyuro, et puis les fatigues intenses, tout ça. Tout cet ensemble-là, qui va nous permettre, va permettre au corps soignant de vous dire que maman, comme vous êtes là, papa, comme vous êtes là, enfant, comme vous êtes là, vous êtes sujet au diabète. Généraliste ou spécialiste, lesquels consulter en cas du diabète? Les toutes ces personnes-là sont outillées. Médecins généralistes, médecins spécialistes sont outillés pour dire que cette personne fait de la diabète. Les médicaments, peut-être pour terminer, sont-ils un passage obligé pour traiter les diabètes? Cela dépend du stade. Si c'est déjà une diabète déjà installée, là, vous êtes sujet au traitement médical toute la vie. Mais si c'est détecté précocement, vous allez avec un check-up comme ça, comme on le dit, détecté de nouveau. Comme ça, on essaie de voir, on essaie de faire d'autres examens. On pouvait simplement vous soumettre peut-être à un régime alimentaire et les exercices physiques, vous voyez. C'est comme on l'a dit tout tantôt aussi, vous serez guéri. Oui, ça dépend du niveau auquel vous venez à l'hôpital, ça dépend du niveau de retentissement du diabète et de ses complications pour savoir si c'est un traitement qui va être obligatoire ou pas. Pourquoi le diabète comme maladie prête un peu
à la honte. Quand on est diabétique, on a honte que les autres sachent dans la société où nous vivons. C'est quoi les regards aujourd'hui vers les diabétiques? Est-ce que ce ne sont pas des personnes qu'on peut considérer comme, je dirais, inaptes à la société? Bon, pas inaptes, mais c'est plus, si ces personnes-là ont honte, c'est par rapport au retentissement du diabète, comme j'ai dit tantôt plus tôt ici. Le diabète touche de la tête aux pieds, même à l'espérance de vie, parce que la plupart des diabétiques, moi j'ai dû faire des expériences dans ma famille, parce qu'il y a une famille diabétique. Vous allez attendre, la grand-mère était morte à 70 et quelques. La maman est morte à 70 et quelques. Les tantes sont mortes à 70 et quelques. Il est difficile de voir des gens dans la famille comme ça atteindre 80, 80 ans à cause de la diabète. Vous voyez un peu. Déjà là, c'est des 1. Et des 2, par rapport au rendement du travail. Un diabétique qui ne se fait pas bien prendre en charge, il est difficile à travailler. Vous pouvez, travailler 30, 40 minutes, c'est fatigue. Et tout passe. Vous voyez un peu. Déjà par rapport à ça. Mais est-ce qu'après les traitements, on peut retrouver sa vie d'avant, sa vie normale? Bon, je ne pourrais pas dire à 100%, mais quand même, on essaye de le retrouver. Il suffit de faire un effort. C'est un combat perpétuel, en fait. C'est un combat de chaque jour que vous devez faire. Vous-même, avec l'hôpital, avec les médecins, ensemble, c'est un combat de chaque jour. Vous connaissez les limites, en fait. Vous connaissez vos limites. Vous essayez de les surmonter pas à pas. C'est un combat chaque jour. Et des fois, il y a des gens qui reprennent assez bonnement leur vie d'avant. Mais d'autres, malheureusement, la majorité ne reprennent pas vraiment leur vie d'avant, malgré le traitement, malgré les suivis à l'hôpital. On vous rappelle, on parle de la journée mondiale du diabète, n'est-ce pas, Divine? Exactement. Vous profitez des conseils du docteur. Hein? Exactement. Le docteur, je pense qu'il est à la hauteur, il répond à toutes nos questions. Voilà. Il faut vraiment sensibiliser à travers cette journée du 14 novembre consacrée à la journée mondiale du diabète. Nous avons aussi notre part des responsabilités à la sensibilisation. Exactement. Nous sommes en train de sensibiliser aux personnes qui souffrent de diabète de prendre soin de vous, de prendre soin de la famille. Et surtout, ce n'est pas la fin du monde. Il faut toujours prendre du courage, continuer votre vie, mais surtout respecter les principes, n'est-ce pas, docteur? Respecter les principes de... Surtout, ça, respecter le principe, respecter le régime alimentaire et surtout éviter certaines mauvaises manières, notamment les manières dont on voit dernièrement avec surtout les femmes, même aussi certains hommes, de prendre des vitamines pour grossir. Voilà. Éviter les mauvaises manières. Éviter surtout l'obésité. N'est pas quelque chose à encourager, en fait. Surtout la mauvaise graisse, parce que quand les gens prennent ces vitamines là ils sont gros de n'importe quoi de tout. Donc éviter les mauvaises habitudes alimentaires, surtout ça, surtout respecter les prescriptions médicales. Il faut pas dire bon, quand on a un diabétique, la personne au lieu l'eau boue, tellement c'est l'ambiance nalia kaka, tellement que j'ai faim, je n'ai pas de choix qu'à prendre de l'eau, alors que ça peut vous faire causer du tort justement à votre santé. Docteur, on va vous garder puisqu'on va marquer une pause pour les informations. Exactement. Ça sera justement les 30 minutes d'info, mais avant cela, nous avons l'astuce justement cette rubrique à proposer. Exactement. Et à nos téléspectateurs qui d'ailleurs nous donnent quelques conseils sur le diabète. Voilà, comment s'en sortir et surtout comment respecter les principes, c'est très important. On voulait suivre cette vidéo et qui sera suivie de 30 minutes d'information. Et puis nous, on va vous retrouver à la troisième et dernière partie de l'émission, toujours avec le docteur Bob qui répond à vos questions. Voilà, de retour sur ce plateau de Morning FM, on poursuit ces programmes matinales. Mais mesdames, messieurs, ce sera le moment de 30 minutes d'information. C'est tout de suite. Débutons le 30 minutes d'information avec le flash info pour en parler pour le président. D'ailleurs, le gros titre d'actualité hier soir est dénoncé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel, merci. Voilà, on vous reçoit justement pour les informations, je le disais tantôt. Donc, c'est parti pour le flash info.
Allez, je le disais tout à l'heure, Rudy Nonzé est sur ce plateau pour nous donner les grands titres d'actualité. C'est donc parti pour le Flash Info. Alors, rapidement, Rudy Nonzé, vous allez commencer le Flash Info avec les grands titres. Allez-y. Oui, tout à fait, Lionel N'Golo. Dans l'actualité, il y a l'audience qu'a accordé le président de la République au chef de l'État de la Guinée-Bissau, le président Ambalo. Il a été reçu à la Cité de l'Union africaine. Les deux chefs d'État se sont entretenus autour de plusieurs sujets d'intérêt commun entre les deux pays, mais également de l'agression du M23 soutenue par les Rwandais, que la Guinée-Bissau fustige, et ce pays compte soutenir les FRDC dans les efforts de pacification et dans les efforts fournis pour que les M23 soient boutés hors du territoire congolais. Vous aurez les détails dans notre édition de 19h30. Dans l'actualité, ce lundi également, on parle de l'ouverture de l'instruction du procès Jean-Marc Kaboun. Vous le savez, la Cour de cassation a refusé de sursoir l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le prévenu Kaboun. C'est ce lundi que débutera l'instruction à la Cour de cassation. L'ancien président AI de l'UDPS sera donc présent pour répondre aux questions de la justice. On va parler encore de l'affaire impliquant l'ancien conseiller du chef de l'État en matière de questions stratégiques, Vidi Etchimanga, qui est également poursuivi au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Et nous rappelons qu'il a été accusé de trafic d'influence suite à une vidéo qui était en train de sillonner les réseaux sociaux, impliquant l'ancien conseiller du chef de l'État de questions, chargé des questions stratégiques, des corrompre ou des trafic d'influence en train de négocier des revenus auprès des investisseurs au nom du chef de l'État. Lionel N'Golo, voilà tout pour les Flash Info. Voilà, c'est tout pour les Flash Info. Prenez rendez-vous avec nous à 19h30 pour tout le détail à ce titre. Mais c'est quand même une journée de lundi qui sera dominée avec ces deux procès. Ouais. D'un côté, Jean-Marc Kaboun, il y a la poursuite de son procès. Mais il y a un autre qui souffre ce lundi avec l'ancien conseiller de Chimanga. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir à l'attention de nos téléspectateurs? Oui, les téléspectateurs auront de plus amples détails le soir à 19h30. Il y a déjà Patrick Ngou qui est présent à la cour de cassation voilà. Pour suivre de près. Et également une autre équipe de l'AFM Télévision qui est présente au tribunal de paix Kinshasa-Gombe pour avoir de plus amples détails sur ces différentes poursuites judiciaires. Avec beaucoup de précisions. Donc les rendez-vous est fixé à 19h30. Tout avec à fait, vous bien. Également, Rita Dinazé, à la grande édition du journal. Merci pour toutes ces précisions, pour le grand titre d'actualité ce matin. Allez, on poursuit les 30 minutes d'info avec la rédaction de Lingala. Ça sera pour tout à l'heure. Les 30 minutes d'info se poursuivent avec l'annonce en Lingala. On reçoit justement nos amis de la rédaction de Lingala. Il y a Elvis Métis sur ce plateau. Mbote na ondeko. Mbote Lionel, boni ondeko. Santé malam. Alors, Torole Kabongo, pona basango na le côté Lingala. Merci Lionel, merci na balandinyo so na tondi mino botondi na ndenge bomesa na kopesa confiance na
FM Mag Bansangona Lingala pena beaucoup se ninga la kamo meseno ya kobisa na bino le kola mo meseno tango nyoso pe mikolonyoso tozala kana habitude pena singa ko pesa bino bandelo ya minene to pe ba grande ligne auto ko présenter na poko lelo pona kanto ya Mag FM pona lelo to lengela ki pona bino bandelo misato pe ya minene moko ezali element auto ko commenter en na plateau na Lionel ya liboso ezali inondation na avenue Kianza oyo wapi ba population bazali penza kolela e pai wapi moko ya ba député provincial ozali Charles Mbutamutu azwa kipe likanisi ya kotia ye institut supérieur mais après misala ya botongi nzela to misala ya botongi passerelle ozali korelier commune yanga ba pe alimba population na moment ozali koloba bazali mingi penza kolela na etali ba inondation après yango to kobeta solo ya état ya poto asnel to bibiso banso que mbala mingi snel azwa ka penza soin ya kobongisa ba poto na ete to kobongisa ba singa te mekasi tango ba singa ko katana katana tango batu bazali victime ya kozala exposé na ba danger ozali ba singa to ba câble électrique ningo to mesan ko benga lo poto ali falase moko pe ya ba problème to ba cause zali eta ya ba poto na yango to kozwa détail lelo na commentaire ya Chris Mukuna pe en plus to kobakisela bino o etali avancement to recrutement après appel na mobilisation ya chef de l'état na o etali ba jeune ndenge nini masse ya ba jeune fi bazali ko continuer kozala recruter kuna na partie est to mituni pe mutuna poni pona nini pardon ezali ko sala mate le lenge moko ana Kinshasa Lionel lo pona mbala suka tozali na element auto ko bakisa ezali tracasserie ya ba policier me kasi to kimi mo mokengambo ya bakumbi mutuka to keina ngambo ya bakumbi moto pona ko beta lisolo na bango pe ko mekampe ko matisa mongongo epa ya bakondi pona ko luka ko reba pona nini ezali bongo ba ndeko na biso bakumbi mituka me awa to yeli siko na bato bakumba ka moto to babengi ba wewa yopo mataka wewa eh oui justement ko la moko za mo matia wewa na permission na to ko landana complicité à régie ba pesa biso element ya tracasserie ya ba montar et après to kozonga na ozela mituna nayo alors acceptation to landa Kinshasa makambo Kinshasa makambo ba chauffeur ya 3 punais oyo ba mesana ko sala nzela ya kiimbi matete bazali na pasi ya kosakana te po ete mikolo yo moto nyonso akoma kobima na nzela azaka ka leta ba oyo babima oyo lakisa mikanda ba oyo babima oyo lakisa oyo bazali kolela niveau tracasserie ezosalema na nzela oyo ezo permettre bango basala musala te tracasserie za makasi autorisation ba quittance ba oteka bino quittance et puis ba baluki libino kaka bango bazoteka ba quittance kaka yemo leta teka quittance kaka yemo leta na ba roulage ba kanga kabiso tozo comprendre te ce quittance tozo so meza pona pona ko tika ba tu libre to osomi quittance moza na problème o ya bango ba komo sala donc e lekisi donc des fois au mona ongyo katisa même si o viré ata na prince awa roulage akangio atuni o permis o laxi permis tanga omono bimisi permis a créer infraction msus o laxa carte rose ya moto o bimisi carte rose o laxi soka moni atali son nom défaut de paraprise oza mokangami dozo tala don eleki ebele en plus ngai ba otyo kangai avant hier na veni tracasserie ezake bakonza mboka ne ba onyoko la biso ti bakonza mboka ba onyoko la biso l'état ya lelo akoma ko tie espoir kan bata de piné na trois piné en tout cas to souffri vraiment makasi Tose bate ba konzi yango so baza so pe bazate. Tosengi ya liboso na papa Bugu merci ya matete. Aye ba banani oyo bazali habilité ko kitana nzela pona ko déranger ba chauffeur. Tope ko senga bango mikanda pona contrôle o ezali normal. Kasi ba oyo bazali habilité te na ba service wana o bazali na nzela to ko senga na ya cha bango maboko po ete ezali malamu te ko tungisa bana mboka oyo bazali koluka kwanga na lolenge na bango. Toti bongo kolanda reportage oyo ezali kolobela en tout cas tracasserie ya ba agent na bandeko ba kombi otobinga ba trois punais alors ndeko limbole la biso problème ya tracasserie zo tous bandeko ezanini ndenge tolandi nayo Hélène Lionel Ngolo pona ba ba susu ba komi tuna pona nina bengo bongo ezali pasi koeba ke na mito tonde tobenga kana chef ya population bale na katango nyoso na etali tracasserie ndenge to bibiso nyoso na lolenga ko limbola tracasserie za ba manœuvre o ba agent ya l'état to ba agent ya police routière ba luka ko sala de manière que ba mima o etali mbwingi to madesu abana na
lenge mosusu ba mais de manière injuste il faut que le bango ça kana déjà ngi te made so abana l'état à prévoir yango te ce qui veut dire ça injuste voilà. Hein? Illégal illégal précisément ce que le col est illégal ba pratique wanyo tout yango et ça la kake bande ko balela na le lenge to bengi tracasserie et leki ko kangema parce que ce qui est illégal to ko bengi za interpellation to ko appréhender mutu en cas d'infraction to na ka ya mbeba. Mais tant que tu as dit que tu as tracassé, c'est que moto as dit que tu as tracassé, tu as dit que tu as dit que tu kokumba ba trois pune auto ou tikolanda. Et pour nous, ils ont dit que tu comportement auto ou tikolanda déploré, puis tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as arrêté l'hémorragie. Peut-être que tu as précisé que tu as dit que tu as dit que tu as reportage que tu as dit que tu as reportage que tu as dit que tu as dit que plus précisément na nzela as dit que tu bypass pour dit que tu as 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 dit presque dans toute la ville de Kinshasa et il y a des pinza et salama na coin ba coin yo so wa za ka ka moko exemple to ya tia ya lo lengo biso to lingi to lobela to rappeler encore ba autorité que zali ko continuer ko salama. Alors c'est vrai que ba traverser wa les ama ambassicate za la kanango pona nini silence ces amakas n'a pas ba autorité et puis ba agent na bazo kite na terrain ba zali na habité na légitimité est-ce que ba ye ba ni pa ba ko ndambo ka pona ko sa misalabana. Donc on rappelle bon Lionel et ça depuis ceux qui n'a pas bon ils savent même ma quantité depuis le 20 mai 2020 je pense après que tiens la locasato arrêté ministériel de la ville province à Kinshasa où est pesa qui ba nomenclature y a ba tarification pe ba condition monsieur singi ba chauffeur de ba côté ba kumbi moto pe ba tricycle ba respecté katina yango nde pesa kandingi satan onyoso ya kubimisa bulletin de service to locasa ko pesa ba ngondingi sa ba bima na terrain pona ko sala mosala locasa wana e yaka de façon périodique era tan onyoso te et na katina yango ba infraction to ba fait oba appréhenda kabakumbi za peut-être pardon moto sombi qui tense ya taxation te et moko na yango zali et suka kana 12 heures si ko kolongo na infraction ko somba quittance ya taxation te to quittance ya stationnement te wana ezali ndingisa o gouvernorat ville Kinshasa a pesa mais en dehors na yango to ebite ce qui est sous infraction mususu soyi peut-être ki koloba pona ba mituka eza contrôle technique wande balandela ka pe pona mituka mais en dehors na yango mbeba mususu ezali to ba ki kolandela ba wande ko Elvis Messi au petit biso moi au limboli côté tali mibeko mais ce que nanga na yeba kimia ba kundi na kolela bana mboka isa pona nini kimia na pa na ngamba yango na lingina loba sadi ba kondi baza penza na kimia te pona koloba nengo ni koloba ce qui veut dire ce qui ba bimisa ka lokasa ono ba bengi bulletin de service isa pona kolandela makambo mais kasi kimia so ina koloba kimia et que bazali koyoka makambo o bazali ko sala ya lokote na koli quelque ezali na compétence ya gouvernorat encore une fois ko rappeler parce que moto ya memi mokumba oui o vanda kimia te zanenge le président la biso Joseph Kabila andai koloba mon memi maki ya aswa na rate ko soit dans le sens que baganga ganga rate ba me ba kende na ba action ko permettre ce que population azwa quand même na bi ko sali porter parole to sali pas na gouvernement quand même mon ko ko assurer ban de kwazo na biso taxi wa ne ko sila oui to liki que ba makamoni so to zali ko pesa na ngambo ya ba kondi ezo ko komela ba na matoyi pe esengo ezali mokolo moko na miko ezali ko ya tozwa eko ya position ya ba desiderata to ko la population e komela bango on a nous attendons de grands changements motu na esuka po na ko libérer on de ko Elvis Metti to monika ka bandi kwazo ko akize tracasserie ba agent tout ça ba le kika na ngambo ba kondi mais est-ce que bandi kona be bazali en ordre tout à l'heure autant que les kambo ba contrôle technique est-ce que bandi kona peut tout mona bango aujourd'hui pe bandi ba kumbi moto ba kuma pe na moi et kumbi le moko mabe est-ce que bandi kona ba ta ko se reprocher de rien par rapport à tracasserie ya ngwana penza zali motu ya Lionel pona ko yeba que ezala ba infraction de ba contrevention routière o e permettra ce que ba landela bango po ba kanga bango e pa ba roulage ezala makambo ebele kasi bango na ngamo na bango bazali pe na makambo penza ebele omo na lingite ko charger nyonso na ngamo ba bakonzi pona ba konje sengi ba yo kalokola ba kolo to ba kambia mboka ko limbolango na malamu elo bibongo na lulenge basa la eloko poete population azala kimeme kasi na ngambo ya bakumbi ba ye ba ke nzela ezana mobeko ba ye ba ke
Alors, on poursuit justement les 30 minutes d'info avec la rubrique La Découverte. On va vous retrouver juste après pour la suite de cette émission. Pour ce nouveau numéro de la rubrique La Découverte, avec moi sur ce plateau, Patrick Mouo. Bonsoir Patrick. Bonsoir Ruth. C'est déjà la petite école. Quelle est la leçon du jour? Aujourd'hui, on doit encore rectifier notre manière de prononcer le mot accident, puisque souvent on a l'habitude de mettre un R après le A, dire accident. Alors que ce n'est pas comme cela que le mot se prononce. Vous savez, lorsqu'il y a deux C, hein, on a l'impression d'avoir un X. Accident, puisqu'il y a le premier C qui doit se lire comme voilà, donc on dit accident et non accident. Vous voyez, l'accident, c'est ce mot qui signifie justement un événement inattendu qui survient au hasard. Alors, on le voit souvent, on le prononce souvent lorsqu'il s'agit de l'accident de circulation, donc lorsque des véhicules entrent en collision, soit lorsque le véhicule écrase quelqu'un, mais c'est aussi dans d'autres circonstances, par exemple, par inadvertance, lorsque je voulais passer, j'ai heurté Madame Ruth, et je dis souvent excuse, vous voyez, donc c'est un événement inattendu. Ça c'était pour l'explication, mais en tout cas on doit retenir que le mot ce n'est pas accident, pas un R, mais c'est voilà, il y a deux C qui se suivent. Et je pense justement aussi que le fait que je sois sur ce plateau dans le cadre de La Découverte, ce n'est pas aussi un accident, puisque c'était moi programmé aujourd'hui. Vraiment. Et c'est aussi mon anniversaire, voilà. Tout à fait Patrick, joyeux anniversaire. Merci beaucoup Ruth. Ça en est fini pour cette rubrique La Découverte et la leçon est bien comprise. Justement. Mesdames et messieurs, c'est également la fin de cette rubrique La Découverte. Merci de nous avoir suivis. C'était la petite école avec Redinon Zeye et Patrick Ngouo. Il ne faut plus dire accident, ça n'existe pas. Dites plutôt accident. J'espère que la leçon est bien comprise. C'est avec la rubrique La Découverte que nous avons mis terme à la tranche 30 minutes d'information. Prochain rendez-vous demain, même heure sur FM Télévision. On va rapidement passer à notre rubrique. Et pour vous apporter un peu de la bonne humeur, le rire dans vos maisons, dans vos bureaux, de partout où vous nous regardez, voici pour vous la rubrique Gag. On se retrouve juste après. On entame la dernière partie de l'émission pour terminer, madame, monsieur. Si vous nous rejoignez, on vous rappelle, on parle de la journée mondiale du diabète. Journée mondiale devenue une journée officielle par les Nations Unies en 2006 avec l'adoption des résolutions 61-225. Célébré chaque année le 14 novembre, n'est-ce pas, Divine Chala? Nous sommes le 14 novembre. Nous célébrons cette journée.
et qui doit essentiellement martiner sur la sensibilisation. Voilà pourquoi on est là ce matin pour sensibiliser autour du diabète. Je vous rappelle, nous avons les docteurs. Nous sommes en suivant une compagnie du docteur Bob, habitué de l'émission. Docteur, ça va? C'est vrai que la pause a été très longue pour les informations. C'était justement aussi pour vous permettre de vous ressourcer. Vraiment. Merci d'être avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va terminer. Donc, on poursuit un peu avec des questions. Divine, dans votre stock, dans les stocks justement des questions des téléspectateurs, qu'est-ce qui nous reste comme question? Le docteur va rapidement répondre. Docteur, il y a un téléspectateur qui veut savoir s'il y a 2 heures précises pour manger. Oui, non. Normalement, ces heures précises-là ne sont pas des heures précises installées comme ça d'emblée, comme ça. Non, c'est au médecin de vous dire. Par rapport à vos pics glycémiques, vous devez manger à telle heure, et cela ne va pas rester indéfiniment pour la vie. C'est après chaque contrôle, quand on essaie de contrôler, on essaie de voir comment est-ce que vous réagissez par rapport à l'alimentation. C'est comme ça qu'on va modifier ces heures-là de pouvoir manger. C'est comme ça. C'est le médecin qui l'établit et puis il va les modifier par rapport à comment votre corps répond, votre organisme répond au traitement et à l'alimentation. Voilà. Par rapport aussi aux moyens financiers, il y a des gens qui préparent tard la nuit. Est-ce que ça ne cause pas de problème dans le corps? Déjà, par rapport à nous qui sommes normaux comme ça, c'est prohibé de manger tard la nuit. Parce que le corps, à ces heures-là, le métabolisme est basse. Le corps cherche à se reposer, à se ressourcer. Manger à ces heures-là, d'abord, par rapport à nous qui sommes normaux, c'est déjà pas mal, c'est pas bien. Et par rapport en plus encore aux diabétiques, c'est encore plus mauvais. Aux diabétiques, nous leur conseillons, s'ils peuvent manger tard, c'est 18h ou 20h. C'est vraiment l'heure tardive qu'ils peuvent manger. Voilà, au diabétique, c'est alors que nous... Quand vous avez dans une famille un diabétique, il faut lui réserver, je dirais comme ça, un régime à côté, c'est-à-dire quand on peut parler fumbo pour tout le monde, excusez-moi, ce n'est qu'un exemple, ce n'est pas que j'aime le fumbo. Lui, il faut, pour le diabétique de la famille, il faut un autre repas à côté, surtout pour une famille, je dirais, modeste, qui n'a pas assez de moyens. Et comment faire pour prendre en compte les diabétiques et les restes de la famille? L'alimentation de diabétique, je dis, nous tous, nous pouvons manger. Par exemple, le poisson, on conseille de manger le poisson qui n'est pas trop riche en produits gras. Voilà un peu, c'est tout le monde qui va. On peut adapter cette alimentation pour tout le monde. Oui, puis nous, moi, je peux dire, dans notre famille, par exemple, moi, j'étais diabétique. On s'est adapté à sa alimentation. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je mange comme ça. Vraiment, c'est le régime alimentaire. Là, c'est facile d'adapter. Donc, ce que mange le diabétique, tout le monde peut manger sans problème. C'est-à-dire, par amour, s'il faut transmettre cet amour, quand vous avez un diabétique, faites comme si vous l'êtes tous et pour l'accompagner dans son traitement. Oui, c'est pas possible. C'est pas seulement pour le soutenir aussi. C'est une prévention pour ceux qui n'ont pas encore un diabète. Voyez un peu. Ça constitue même une prévention. Quand vous mangez au régime d'un diabétique, vous qui n'avez pas encore fait de diabète, vous êtes déjà prévenu. Vous êtes, on pourrait dire, épargné à 60-70% de faire le diabète comme lui. Voilà, c'est un peu ça. On entend souvent dans l'alimentation des diabétiques, il ne faut pas que les repas soient trop salés, des choses un peu à l'ancienne. Voilà pourquoi il y a une téléspectatrice qui nous dit, nous avons un frère diabétique, mais je n'arrive pas, docteur, à s'adapter à cette alimentation réservée un petit peu à son état de santé. Que faire? Il pose la question. Vous pouvez préparer une alimentation qui n'est pas trop salée, mais vous ajoutez votre sel à côté. C'est pas mal. Et ce n'est pas préparé 2 fois. Même repas. Bon, dans d'autres familles, moi je connais comme dans d'autres familles comme ça, ils préparaient 2 alimentations. Un pour le papa diabétique et l'autre pour le reste de la famille. La différence, c'est là dépendant des moyens de la famille en fait. Je sais que vous n'êtes pas un maître cuisinier, docteur, mais c'est quoi la différence entre un repas de diabétique et un repas normal? Bon, un repas normal, je pourrais dire, il y a plus de substances grasses, il y a plus de substances ayant le glucide, il y a plus de glucose. Tandis que chez les diabétiques, nous restreignons ces substances, notamment la glucide, notamment les substances grasses. Nous restreignons ça chez les diabétiques. Vous voyez un peu que c'est simplement cette différence-là. Mais tandis que certains aliments qui mangent les diabétiques, comme je dis tantôt ici, tout le monde peut le manger sans problème. Et il suffit de ne pas être trop gourmand, trop exigeant, vous allez manger sans problème. Très bien. Divine, encore alors, une autre question. Alors, docteur, le diabétique a souvent mal aux pieds. Qu'est-ce qui cause ces douleurs?
je l'ai dit tantôt aussi, plutôt avant, que le diabète touche la tête aux pieds. Notamment chez les diabétiques, nous avons une artériopathie de membres inférieurs. C'est la prédominance des membres inférieurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a dépôt de plaques d'athérome au niveau des artères qui réduisent le calibre de l'artère. L'artère, c'est comme, je peux dire, un tunnel où on passe tout le monde. Mmh. Maintenant, quand ce tunnel-là, vous voyez, on a mis des cartons à côté et tout ça. Mmh. Ça bloque le passage. Vous ne pouvez pas passer deux personnes à la même moment. Et quand vous voyez à la place du carton, on a encore ajouté d'autres chaises à côté, le passage devient étroit et le pied ne sait plus bien se ressourcer en sang oxygéné, en fait. Et comme ça, vous voyez que le pied ne sera pas bien se ressourcer, puis il y aura des plaies. Est-ce que ce n'est pas pour ça que l'activité sportive est vivement souhaitée pour un diabétique? Oui, c'est aussi ça. C'est aussi une façon de prévenir cet excès de plaques d'athérome, cet excès de graisse qui peuvent se déposer dans les artères. Et puis essayer un peu au maximum, si pas d'éviter, mais de le retarder, en fait. Voilà. Alors, une question de vérification. On a toujours entendu dire que quand vous souffrez du diabète et que vous avez une plaie, la plaie ne s'arrête pas. Est-ce que vous confirmez cette information, docteur? Non, je ne confirme pas. Une diabète bien prise en charge, les plaies finissent, se guérissent. J'ai un ami qui est en clinique qui travaille sur ces plaies là-dedans. Il y a une madame que je ne pourrais pas vivre, je le cite, madame Leclerc, qui ici au niveau Kinshasa, ils sont chargés de ces traitements des pieds, des plaies diabétiques comme ça, madame Leclerc. Ils se battent pour le diabète. Donc, c'est comme ça, je pourrais dire qu'il faudrait enlever, extirper cette mauvaise connaissance des gens qui disent que les potes à c'est faux, ça finit. Surtout quand son diabète est bien pris en charge et bien suivi, quand on suit bien son régime alimentaire, quand on fait les exercices physiques, quand on suit bien son traitement, la plaie guérit et puis voilà, le patient répond. Divine, on va prendre une toute dernière question de nos téléspectateurs avant de terminer. Exactement. Quels sont les aliments que vous conseillez plus aux diabétiques? Ce sont les aliments pas trop riches en glucides, pas trop riches en matière grasse. Ce sont les aliments moins gras, je pourrais dire, notamment les riz noirs, notamment l'œuf en soi, notamment le certains féculents, notamment certains légumes. Donc c'est comme ça, il y a une panoplie d'alimentation que quand vous venez chez le médecin, on donne même certains carnets comme ça avec des dessins. Parce qu'avec tout ce qu'il y a comme alimentation, tout ce qu'il y a comme ça, des patients peuvent oublier. Ils peuvent dire non, je peux manger. Même certains fruits sont interdits. Voilà. On donne un carnet comme ça chez les diabétiques. Avant de manger, ils vérifient dans son carnet. Est-ce que cette alimentation-là est riche en est facilement assimilable par rapport à notre état ou pas? Donc, on donne comme ça certains aliments qui sont prohibés, certains aliments sont tolérés à un certain degré et certains aliments autorisés. Et même le fruit aussi. Oui, même les fruits. On a des carnets comme ça avec des dessins. Qu'on donne ce fruit ici, vous pouvez manger ça à volonté. Ces autres fruits, mangez modérément. Mais ces autres-là, ne les mangez surtout pas. Parce que quand vous mangez, il suffit à la minute ou dans les heures qui suivent, il augmente l'indice glycémique et comme ça, ça reste délétère pour les diabétiques. J'ai le témoignage de Fiston, un de nos téléspectateurs, qui dit, docteur, il a été renvoyé en congé par son service parce que le travail avait appris qu'il était diabétique. Est-ce que cet état de santé empêcherait à quelqu'un d'exercer ses fonctions? Là, je pourrais dire que c'est une stigmatisation aussi que lutte aussi l'OMS par rapport à ses objectifs de stigmatiser les malades. Vous voyez, déjà, on dit le travail anoblit l'homme. Déjà, quelqu'un qui a le diabète, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Cela n'est pas en inadéquation par rapport à son activité. On peut travailler tout en étant diabétique. Oui, il suffit simplement de bien suivre son traitement. On peut mieux vivre avec le diabète. Il y a même certaines personnes qui sont dans nos milieux professionnels qui sont avec le diabète, qu'on ne sait même pas qu'il est diabétique. Qu'on ne sait même pas. Pourquoi? Parce qu'il suit bien son traitement, il suit bien son check-up, il suit bien ses activités physiques. Vous ne saurez même pas qu'il est diabétique. Vous l'apprenez peut-être quand il y aura des complications assez tardives, aux âges avancés, peut-être à 76 ans, que vous aurez, il était diabétique depuis tout ce temps-là. Mais comment vous ne savez pas ça? Pourquoi? Parce qu'il se prenait bien en charge, il faisait suivi régulier chez les médecins, il faisait bien son traitement. Et surtout respecter les consignes. Et puis il respectait bien surtout le régime alimentaire.
sur tout ça. Il y a tout, à un instant, Divine nous parlait de gonflement de pieds. Et y a-t-il d'autres séquelles physiques quand on souffre du diabète, qui est palpable, qu'on peut voir dans l'extérieur? Il y a d'abord la cécité ou la vision floue. Par exemple, des gens qui, pour beaucoup de gens qui portent des lunettes, c'est dû à dire. Ah non, pas moi, pas moi, non, je ne crois pas que c'est moi. Voilà, donc ça crée des visions floues allant jusqu'à la cécité. Il y a les neuropathies, vous voyez, des troubles nerveuses comme ça. Il y a des troubles vasculaires, notamment des AVC, des infarctus myocarde. Il y a des troubles au niveau rénal, insuffisance rénale, tout ça. Mais quand je parlais de séquelles physiques, je voyais plus de déformations. Est-ce que le diabète déforme une partie du corps, par exemple? Bon, très rarement. Très rarement que vous pouvez voir quelqu'un qui commence le diabète et puis il y a une partie du corps déformée. Non, à moins que nous arrivions aux étapes des amputations. Là, vous voyez quelqu'un qui est amputé à cause du diabète. Justement. Voilà. Là, c'est... Mais voir une déformation due au diabète, très rare. Alors, comment se passe l'opération du diabète? Ça, on n'en a pas parlé, docteur. Quelle opération, en fait? Quand vous souffrez du diabète, il n'y a pas de, l'étape d'opération où vous devez passer à une intervention chirurgicale? Ça n'existe pas? Ça dépend des complications. Ça dépend des complications. Notamment, voilà. Je vous ai dit, l'amputation, c'est une des complications dues au diabète. Ça dépend des complications. Hein, vous avoir, ça dépend des complications pour arriver au niveau de la chirurgie, en fait. Mais sinon, en soi, quand vous vous prenez bien en charge, ça tarde pour arriver à une chirurgie, à une amputation. Ça tarde vraiment. Alors, pour terminer, docteur, on va revenir en rappelant que nous sommes le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète, qui est célébrée cette année sous le thème « Accès aux soins du diabète ». D'ailleurs, c'est ça même la sensibilisation, ce qui souligne l'importance des efforts déployés en matière de prévention et de riposte. En matière de prévention, c'est votre travail à vous, docteur, de le faire. Mais en matière de riposte, qu'est-ce que vous proposerez à ce jour où nous célébrons cette journée mondiale du diabète, docteur? Je proposerai que, comme l'ont fait d'autres pathologies, notamment le VIH, le paludisme, que le gouvernement puisse vraiment s'impliquer pour essayer un peu de vulgariser ce que c'est la bonne alimentation, pour essayer de prohiber les mauvaises manières, notamment avec la prise abusive des vitamines, du poids, d'excès de poids, pour essayer en plus encore de combattre la prise du tabac, parce qu'avec le tabac, c'est un cofacteur assez important pour la survenue de diabète, pour essayer en plus de s'impliquer dans le dépistage précoce, souvent, notamment par rapport aux mamans et aux enfants, en fait. Voilà, pour essayer un peu de couper cette, pas couper, mais retarder cette transmission héréditaire du diabète. Et en plus, encore, essayer encore de jouer en plus par un autre cofacteur qui est important, c'est l'hypertension, parce que le diabète et l'hypertension sont deux amis qui se tiennent vraiment main dans la main. Quand il y a l'hypertension, il faudrait songer à faire un check-up pour le diabète. Quand il y a le diabète, il faudrait penser à faire un check-up pour l'hypertension. Donc, essayer un peu d'associer cet amalgame-là pour essayer un peu de faire vraiment, d'essayer de combattre la survenue. Et puis, est-ce que ça ne serait pas une contradiction de méditer sous les thèmes accès aux soins du diabète alors qu'on est en train de reconnaître que les soins du diabète sont coûtés quand même, docteur? Ça ne serait pas une contradiction? C'est pas une contradiction, c'est un combat perpétuel dans la vie. C'est pas dire que comme vous avez peut-être trébuché, que vous dites non, je vais abandonner parce que j'ai trébuché, on m'a pas aidé. Non, la vie, il ne faut jamais abandonner. Moi, je vois la famille, une famille pauvre qui n'a pas de moyens pour se faire soigner ou soigner un de leurs qui souffre du diabète. Comment faire, docteur? Puisqu'on le voit quand... Excusez-moi, je vous redonne la parole pour la maladie des tuberculoses, par exemple. Il y a des traitements qui sont gratuits, mais pourquoi pas le faire aussi pour le diabète? C'est la triste réalité qu'on a actuellement, mais qu'il y a des lobbying qui sont en train d'être faits par rapport à différents partenaires pour essayer aussi de prendre en charge la diabète comme nous défendons d'autres pathologies, notamment la tuberculose, le VIH. C'est comme ça. C'est un lobbying qui est en train d'être fait. Certes que ce lobbying-là n'est pas assez probant, n'est pas les impacts ne sont pas assez probants, mais il y a des coins comme ça où des fois on donne aussi des traitements gratuits. Et notamment, je vous ai dit avec Madame Descartes, des fois, ils distribuent des antidiabétiques oraux, ils distribuent des insulines comme ça. Vous voyez un peu,
mais c'est assez minime par rapport aux attentes, c'est assez minime par rapport à la population, c'est assez minime. Quand même, les moyens sont mis en œuvre, mais qu'on doit essayer un peu d'essayer d'accélérer, d'essayer d'augmenter, d'essayer d'ajouter, de faire davantage pour essayer d'atteindre toute la population, ne fût-ce que la grande majorité de la population. Puisqu'on parle de la sensibilisation, quelle est la part du gouvernement? Certainement, j'espère que le ministère des Santé va nous dicter, dira quelque chose par rapport à la journée, mais quelle est la part concrètement qu'on peut attendre de la part du gouvernement pour accompagner cette maladie de diabète? Et d'ailleurs, vous l'avez reconnu au départ, qui est très préoccupante, cette maladie. Oui, déjà dans le gouvernement, il y a déjà tout un programme qui est là pour lutter contre le diabète. Mais ce programme est là, il est, je pourrais dire, il est orphelin. Il est vraiment orphelin. Le gouvernement doit essayer de mettre beaucoup de moyens. Certes, nous savons que le gouvernement, il y a beaucoup de choses à faire. Mais aussi, il faudrait essayer un peu de mettre, de voir un œil regardant aussi de ce côté-là. Essayer de les aider au maximum, en fait. Hein? Essayer de les aider au maximum. Essayer de faire la promotion de bonnes manières, des bonnes hygiènes de vie, tout ça. Essayer de mettre le main à la pâte par rapport à cette filiale-là pour essayer un peu, ne fût-ce que même à 50%, essayer de stopper ou de retarder les effets de diabète à long terme. Parce que, avec les projections dans l'avenir, même au niveau de l'OMS, on estime que d'ici 2030, avec surtout nous, avec nos pays en voie de développement, le diabète risque de tripler, en fait. Ah, ça fait peur, en tout cas. Voilà. Une dernière question avant de terminer, c'est séparé de vous, docteur Bob. J'ai le témoignage d'une fille qui s'appelle Laetitia, qui dit, docteur, on est en processus de mariage avec mon fiancé, mais il vient d'être diagnostiqué diabétique. Que faire? Je dois poursuivre ces mariages, on doit s'engager par le mariage, ce n'est pas inquiétant. Et voilà, que donnerez-vous comme réponse justement à cette téléspectatrice, docteur? Oui, je dirais qu'ils aillent au mariage. Déjà, par rapport au traitement du diabète, il y a aussi un facteur psychologique qui entre là. Voilà. Déjà, un homme qui veut vous marier, vous cassez parce qu'il est diabétique, c'est un coup psychologique que voilà. le mettre. Donc, il risque de mourir très vite. Voilà. Alors je dirais à la femme de le soutenir d'ailleurs psychologiquement lors d'aller au mariage et de le permettre aussi de faire un bon suivi de son traitement, car le diabète est mieux vécu s'il est bien suivi, bien soigné. Surtout en respectant les consignes, les principes, les prescriptions médicales. On peut passer de type 1 au type 2. Non, ça n'existe pas. Non, quand c'est le type 1, ça reste le type 1. Quand c'est le type 1, allez, nous sommes presque. Peut-être qu'on pourrait passer du type 2 au type 1, parce que le type 2 actuellement, c'est aussi juvénile. Voilà, le type 2, c'est juvénile. Le type 2, je l'ai dit tantôt, c'est plutôt l'insuline est produit, mais cela n'est pas en quantité suffisante pour le corps. Maintenant, on peut passer du type 2 au type 1. Pourquoi? Le type 1, c'est l'insuline n'est pas produite. Donc le type 2 peut devenir le type 1 s'il y a une maladie auto-immune qui détruit les cellules de l'engrosse. Là, vous n'allez plus produire l'insuline. Devenez type 1. Merci infiniment, docteur Bob. Ça mérite toute une autre émission encore pour parler du diabète. Une maladie très préoccupante qui frappe justement la grande partie de la population de notre pays. Divine, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez compris les conseils. Hein? Oui, on a compris en tout cas. Il ne faut pas refuser le mariage parce que votre conjoint est diabétique. Je ne vous le souhaite pas. Ça n'arrivera pas, mais il ne faut pas. Déjà avec le conseil que nous venons de recevoir ce matin, j'en tiendrai compte. Oui, et surtout pour aider tous ceux-là qui souffrent de cette maladie. Docteur Bob, merci pour votre disponibilité. Et une grande figure de cette émission. Merci d'être passé. Peut-être nous allons vous retrouver dans un autre cadre avec FM Santé, évidemment. Ah. Et on va continuer à méditer puisque c'est encore la semaine de la journée mondiale du diabète. On reviendra avec d'autres questions puisqu'on n'a pas réussi à poser toutes les questions. Faute de temps, je crois l'avoir dit au début, c'était de 7h30 à 11h. C'est le moment de se dire au revoir, n'est-ce pas, Divine? Exactement. Mais on souhaite un joyeux anniversaire à Henriette, justement, notre consoeur de la rédaction de Lingala, qui souffle à sa nouvelle bougie. Hein. Beaucoup de bonheur à toi, Henriette. Plein de bonnes choses, voilà. Que l'Éternel vous garde encore très longtemps à la FM Télévision, parce que
que votre service nous tient à cœur. Merci beaucoup. Et curieusement, il y a quelqu'un qui apparaît. Papa Jean, merci également pour tes services. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci au docteur Bob. Grand merci, est-ce que je peux le faire? Merci docteur pour toutes vos réponses à nos questions. Merci à Florent Kitalechif, justement, qui a ordonné les choses. Merci à Bénédicte Kapende. Merci infiniment à Enoch Mafouka, Teresa Thibault, Papi Vangou et à Patrick Ngouo qu'on a raté justement d'avoir en ligne dans cette émission. À toute l'équipe qui a œuvré justement pour la réussite et la fabrique de cette émission. Merci infiniment à Dan Daniel Dacruz pour la réalisation impeccable de ce programme. On vous fixe rendez-vous demain pour notre numéro de Morning FM. Bonne journée et bonne suite des programmes sur la Fondation Maloua Télévision. Allez, bye bye.